Bien, salut tout le monde, c'est Excelsior, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais pas vous présenter un gameplay, mais une vidéo information concernant le futur de Destiny. En effet, Reddit aurait confirmé l'arrivée d'un DLC qui se nommerait Rise of Iron et qui mettrait en avant Lord Saladin, le représentant de la bannière de fer. Donc, comme on peut le voir sur cette photo, on voit Lord Saladin portant une hache enflammée entourée de plusieurs loups. Reddit aurait également confirmé l'arrivée d'un nouveau raid mettant en avant les déchus. Celui-ci était prévu pour sortir en même temps que la Maison des Loups, mais a été supprimé au dernier moment pour éviter de commettre les mêmes erreurs que la chute de Croptarn. Donc on peut supposer également qu'il va y avoir toute une suite de quêtes qui mettraient en avant Lord Saladin et en espérant en connaître davantage sur ce personnage. On peut également supposer qu'ils vont garder le même schéma que pour la chute du roi, c'est-à-dire garder la difficulté normale, hard et le mode challenge. Mais je pense qu'on va en savoir davantage lors de l'E3 qui se déroulera dans 3 semaines à peu près. Et bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. C'était Excelsior pour vous servir. Allez, ciao, à plus.